Hey, salam tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une playlist de chansons extraits, de clips et de chansons en soutien à l'équipe nationale de l'Algérie. Le match est encore en train de jouer, donc à l'heure actuelle, on ne sait pas s'ils gagnent ou s'ils perdent. Et du coup, je ne sais pas si c'est très judicieux de filmer là, parce que du coup, je ne sais pas si je mettrai la vidéo ou pas, en fonction du résultat. En tout cas, on croise les doigts, inch'Allah, tkoun rebha. Et si vous ne connaissez pas moi, c'est Amani de la chaîne Amani's World. N'hésitez pas à vous abonner et à m'ajouter sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous laisse tout de suite avec mon top 5. On va commencer tout de suite donc mon top 5 des chansons d'encouragement pour la CAN 2019. Bref, là vous vous dites sûrement qu'il y a un problème parce que je suis pas du tout habillée comme à l'introduction, tout simplement parce que l'introduction a été tournée hier à la fin du match et je voulais la garder et pas la changer parce que je trouvais que c'était sur le coup de l'émotion, que j'étais encore stressée et tout parce que le match n'était pas fini, donc je trouvais que c'était mieux de le garder. Et en fait la qualité des images d'hier était trop mauvaise, en fait il faisait, la nuit est vite tombée après le match, du coup je retourne la playlist à nouveau mais je laisse l'introduction. Voilà, donc c'est parti. Alors pour mon top 5 concernant la 5ème position, alors c'est une chanson que c'est pas une chanson spécialement pour la CAN, mais je l'ai choisie parce que voilà, elle représente pour, les valeurs pour lesquelles en ce moment les joueurs se battent, à savoir que c'est pas juste du sportif et que c'est aussi on se bat pour d'autres choses, pour Hurriyet Bladna, et que voilà, donc c'est un peu un hymne patriotique. D'ailleurs Ken Bzaf les supporters les Renaouha de la chanson Flestad parce que vraiment genre je sais pas comment vous dire, genre comme Zef, vraiment pris par l'émotion et tout. Donc voilà, chanson que j'ai écrit ça un soir pour un nouveau matin. Oui, j'écris pour y croire. L'avenir est incertain. Oui, j'écris car nous sommes main dans la main. Moi, j'écris car nous sommes la génération dorée. Position, j'ai essayé de prendre des chansons un peu nouvelles qu'on connaissait pas parce que j'ai tendance à vouloir prendre des chansons que de 2010-2014 qu'on kiffe tous et qu'on remet à chaque fois, mais je me suis dit pour vous faire découvrir d'autres chansons. Et dans celles qui sont nouvelles, j'ai bien aimé celle-là, les autres trop mélangeurs ou avec Dauphin, je sais pas quoi, j'ai pas du tout aimé. Après chacun ses goûts, et du coup j'ai choisi celle-là pour la 4ème position. Celle-ci, elle est hors compétition parce que c'est une reprise d'une chanson qu'on connaît tous. Et en fait, je la kiffe trop, donc je voulais vous les mettre juste en bonus, tout simplement. Parce que je trouve que la reprise de Dina Della, elle a vraiment une voix magnifique, donc je voulais vous la remettre. En plus, je lui ai promis que je la mettrais dans mon top. Voilà, elle y est. Et je trouve que c'est aussi une bonne idée d'avoir repris la chanson qui était à la base en arabe pour intégrer en fait les francophones, tout simplement, parce qu'il faut pas oublier que dans l'équipe nationale, justement, il y a beaucoup de francophones qui parlent pas forcément arabe, des émigrés, qu'on a longtemps critiqué justement, parce que les émigrés, il y a toujours, voilà, on nous dit, j'en ai déjà parlé, en tout cas, et là on a vu les, comment on dit, les hommes vraiment qui soient mélangés, c'est vraiment une grosse unité, où donc je trouve que c'est important justement encore une fois d'être unis et voilà, vraiment de se sentir tous autant algériens les uns que les autres. Et le fait que la chanson elle est en français, je trouve que voilà, ça rappelle en fait ce côté là. Le monde entier, vous nous faites vibrer, cholé, cholé, cholé. Les Algériens d'Angers sont à notre portée, on va la décrocher. Notre pays va triompher, le rêve va se réaliser.
repris et je trouvais que c'était trop émouvant. Du coup, voilà, je me suis dit obligée de la mettre en bonus. Troisième position, cette chanson, bon, au début je me suis dit je la mets pas parce que c'est une parodie, c'est un peu ridicule, mais en vrai elle est trop ambiançante, vraiment dahak, et genre c'est juste pour passer un bon moment, donc c'est une reprise du coup de ramener la coupe à la maison, et voilà, je trouve qu'elle est quand même plus ou moins bien faite. Elle écoute cette chanson parce que du coup elle nous permet de réviser le nom des joueurs en même temps leurs attributs, donc c'est marrant, et du coup voilà, c'est celle que j'ai choisie pour la troisième position. J'y boule la coupe à la maison. Allez les verts, allez, 29 ans c'est le moment. Allez les verts, allez, j'y boule la coupe à la maison. Allez les verts, allez, El Khatra Rana champion. Ma Jamel Belmadi, il passe et tire, Ismaïl Ben Nasser, yeah. Il jongle et dribble, Ismaïl Ben Nasser, yeah. J'koun y'aouna à côté, Hicham Boudaoui, yeah. Qui n'ahla et bougie, Hicham Boudaoui, yeah. Il dribble la défense, il roule à gauche, à droite, Yassim Brahimi. Il galla, il habse, il dire le petit pour normal, Yassim Brahimi. Habsouni, aghbouni, aoud, ouli, tletir, aadi, Youssef Blaili. Hatta li ousal coupe d'Afrique, n'mettel le bladi, Youssef Blaili. Gouli qui se mou, Attal, Youssef, Youssef, Attal. Défense ou la attaque, Attal, Mahboul, Mahboul, Attal. Écoute le bedrib, ou n'es, Adam, Adam. والناس يفوتك نورمال والناس وكل يا فيك ريح والناس مع ابو نجاح كيف الدير 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 والله يهبلك من عقلك بلي فانت رياض رياض محرز يكروشيك رياض رياض محرز حيدوخا وكيجا رانا معاكم يا يا اي رانا معكم عبيد زفان بالعمري رانا معكم يا اي رانا معكم يا طهرة فارس بن سبعيني رانا معكم يا يا اي رانا معكم قديورة بشوية على البولة الله يرحم بوك يا اي رانا معكم. Position phare entre guillemets, donc la deuxième position, j'ai choisi une chanson où de base je l'ai vu comme ça passer sur YouTube et je voulais pas cliquer parce que j'avais l'impression que c'était un style un peu Khaliji, vous savez les filles qui se donnent un air, mais en fait pas du tout, elle a l'air trop sympa la fille, je connaissais pas du tout l'artiste donc j'ai eu un a priori sur elle, en plus je sais pas vous, mais elle me fait penser à la fille de l'Etlab Foulad Lahlal, sauf qu'elle a les cheveux un peu plus longs. Bref, j'ai choisi cette chanson parce qu'au final elle est bien et puis elle est archi ambiance. خضرا فيك ما نسمحوش وين تكون احنا نتبعوها رجال قول خلينا الليله نروبلوها خلي الناس تسمع وتقول الكاس للجزائر ندوها que tout le monde attend dans la première position. Je sais que cette chanson date, je sais que vous la connaissez sûrement tous, en plus elle date d'il y a plus, il y a 9 ans, donc la première Coupe du Monde qu'on a fait en 2010, et je crois qu'elle a été reprise aussi, ma mère elle m'avait dit qu'elle existait déjà dans les années 80, il l'avait sorti quand l'Algérie a battu l'Allemagne et qu'ils ont triché pour nous éliminer, et du coup voilà, c'est une chanson de base, mais je trouve qu'elle nous ambiance trop, puis à chaque fois ils la mettent sur Bein à la fin quand l'Algérie gagne, donc je trouve que c'est celle qui représente le mieux la CAN 2019 algérienne, c'est celle qui va le plus me rappeler en tout cas cette CAN parce qu'ils la remettent au goût du jour, et
aussi parce que c'est la chanson préférée de ma maman. Alors bah je suis un peu une suiveuse, alors j'ai fait comme ma maman. C'est aussi mon top 1, donc j'ai choisi cette. J'en peux plus là, je vais tomber dans les pommes. Dites-vous que là j'ai fait mon sport de la semaine, déjà hier je l'ai faite, mais c'était trop tard, la qualité d'image n'était pas bonne, j'ai pas pu la publier. Là j'ai refait, c'est plus d'une demi-heure de danse et de chanter en même temps. Je sais pas comment ils font les artistes, en tout cas chapeau à eux. Je transpire, je coule, mon foulard il tombe, il y a tout qui s'est défait, je suis désolée. En tout cas moi j'ai tout donné de mon côté, j'espère que l'équipe nationale donnera aussi tout de son côté et qu'on sera inchallah en finale et pourquoi pas qu'on remportera la coupe. C'était mon top 5 des chansons d'encouragement pour l'équipe nationale pour la CAN 2018. C'était mes chansons, je tiens à le préciser, je sais qu'il y en a d'autres. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon top 5, n'hésitez pas à me dire dans le commentaire et à me dire ce que vous auriez vous mis en top 5. Si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.